Salut tout le monde, c'est Chapitre 78, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite d'Advance Warfare, et donc la dernière fois, ça s'était terminé par la fusion du réacteur de la centrale nucléaire. Donc ouais, on va continuer tout ceci. Allez, mission suivante. Si j'ai bien compris, c'est à partir de là qu'en fait toute l'histoire va prendre un autre tournant. Et jusqu'à présent, on était un peu les héros. Et apparemment, je sais pas trop ce qui va se passer, mais je pense que celui-là, il va devenir gentil. On verra bien. Vous tremblez car nous vous avons sorti de votre léthargie. Goldman Tabu. Il y a des jours que l'on n'oublie jamais. Des moments gravés dans nos mémoires jusqu'à notre... Là, ça fait vraiment film. Où étiez-vous le jour où tout a changé? Il y a 4 ans, un homme a voulu détruire notre mode de vie. Un homme a voulu plonger le monde dans les ténèbres. Nous avons craint de ne jamais reprendre le dessus. Mais on l'a fait. Ensemble. Quand vous étiez vulnérable, nous vous avons aidé. Quand vous étiez malade, nous étions là pour vous soigner. Au cœur du chaos, nous avons rétabli l'ordre. Stabilité, sûreté pour un nouveau départ. Qui sommes-nous ? Nous sommes Atlas. Nous sommes votre avenir. Ouais, ça me donne des chaussons, je sais pas si vous voyez. Enfin, meuf. Répercussion D3. Team Zexo, spécialiste, bouclier, overdrive, simulateur. J'aime pas trop l'overdrive, c'est un espèce de ralenti et j'ai pas trop accroché avec encore. Bienvenue à D3! 2,5 millions de personnes dans des camps comme celui-ci. C'est pas des vacances, mais ils sont logés, nourris et protégés. Tout ça grâce à Atlas. Et le KVA qui a le culot de s'installer juste à côté. Putain. Il vient de ces exosquelettes, lui. 4 ans plus tard. T'as une sale gueule. 22 jours d'affilée. Le KVA n'arrête jamais. Nous non plus. Bien reçu. Ils allaient commencer à rapatrier des gens. Ouais, et je le trouve super sympa, ce exosquelette qui est rouge. Et il a de la gueule. On protège notre cible. On la traque toujours. Le docteur Pierre Danois, il est à l'hôpital du centre-ville. On a le feu vert. 4 ans à traquer Hadès. Et voilà que son bras droit se pointe à notre porte. Formidable. Ok, c'est pas pour qu'on s'enfuit. Salut. Le camp a l'air immense, immense, immense. Moi j'ai une question. Je peux m'enfuir ? Non ! Recherche d'isotopes en cours, veuillez patienter. Mais non, je suis pas un zizi top, moi. Des isotopes en cours. Déserté, sans police ni témoin. L'endroit idéal pour cacher quelque chose. Ou quelqu'un. Donc là, c'est l'entrée du clan, c'est ça, si j'ai bien compris. Oh, on va utiliser les fameuses. Je sais pas comment appeler ça, ces espèces de moto volante là. Dans les temps. Parfait. Ansel. Non, t'inquiète. Ça, c'est bien ça. Pchou! Synchronise-toi avec moi. Reste en pilotage automatique. Oh non, je vais être en manuel.
0-2-1, le docteur est toujours stationné à l'hôpital. L'heure tourne. Compris, prophète. Point de contrôle bleu à 5 minutes. Souvenez-vous, c'est une capture. Il nous mènera à Hadès. Compris. Terminé. Je sais pas pourquoi je sens que la mission elle va partir en couille. Oh, ah, celle-là, je la veux aussi. Nom et numéro de mission. Gideon, mission 5527. Attendez. J'ai 4 agents à moto en approche. Ordre de mission 5527. Ok, c'est bon. Ouvrez le passage. Je joue en automatique ou on peut être en manuel un petit peu? Oh le bordel! C'est avant le début, j'en dors. Ah ouais. Prophète, je peux juste bouger ma vue, c'est pas grave. Viens de passer la ligne de phase Delta. Restez en alerte. Bah tu es pas, je sens que ça va finir en couille, on va se prendre un lance-roquette. On a deux qui vont mourir, je vais m'entourer tout seul. J'arrive pas à croire que c'est Détroit. Ça a pourtant pas changé des masses. Oh, c'est sombre. C'est très sombre. Et c'est très très bien fait. Ils font du bruit des motos. En approche du point de contact, à 12h. Prophète, ici Bravo 2-1. On est au point de contact, attendez. En attente 2-1. Je vais passer par le nord avec Mitchell. Vous deux, vous prenez le sud. Rendez-vous sur Bates Street. Bien reçu. Alors, j'ai qu'une arme. Ah, oh, ça pue. On nous signale une activité au nord-ouest, à 100 mètres de votre position. Ok, on reste sur le qui-vive. Ah, il y a une voiture avec des phares allumés, hein, ça sent pas bon. Hein. Ils sont toutes mortes, les mamies. Ça pue. Je me cache derrière JDU. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans ce dos. Personne n'est censé se trouver dans un gros couteau quoi, un couteau de boucher. Quoi. Attention aux règles d'engagement. Reste camouflé. Oh non, c'est pas mal fait ça. Et moi si je passe, y a pas d'ombre. Lol. Ah le bug, y a pas d'ombre quand moi je passe lui, y a non. Prophète, on est au point de contrôle bleu. On traverse l'école. Compris. On suit votre progression. Ça sent mauvais. Merde. Oh les coups, il me fait peur. Ah moi aussi j'ai une lampe. Ok, je savais pas. Ça sent pas bon. On se croirait dans un Slender quoi. C'est tout sombre et on a une lampe. Trouver les feuilles. Ouh. Et au bout de 4 feuilles trouvées, tu sais, ça va devenir plus dur. Désolé pour le petit touloulou. On a des cadavres. Oh. On dirait une équipe de nettoyage. Il manque des combinaisons. Traiter tout individu en combinaison comme hostile. Compris. Si le KVA agit à couvert, il y a des chances qu'ils soient plus nombreux qu'on le pensait. Bon. Il y a les mouches et tout. Mitchell, occupe-toi de la porte. Ah, pas de souci. Et là, je vais me prendre un coup, tu vois. Ah non. Ça me paraît trop calme pour le moment. Là, c'est sûr, il y a des dossiers planqués et tout. On monte. Bah, vas-y, je t'en prie. Toi le premier. Par ici. Ah ouais, vas-y, monte, monte. Comme ça, si je te fais tirer dessus, moi je suis à l'abri. Une espèce de voile nuageux là. Moi je le sens pas ça.
va se casser la gueule, tu vois. Ça se voit, il y a une démarcation. Il va tomber. Je sens la chute, je sens la chute. Ah, pardon. Là. Qu'est-ce que je disais? Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Mitchell, Mitchell, tiens bon, je vais essayer de te rejoindre. Et voilà. Ça y est, je suis tout seul. Il m'en a pas fallu beaucoup de missions pour que je sois tout seul. Je vois pas mal de mouvements. J'aime pas être tout seul. Reste point. Oh putain. Il a pas d'armes. Merde. Oh oh. Au secours. Au secours. On voit juste ses pieds là. Il est en train de nous narguer. Vas-y, retourne-toi. Ah. Ça c'est bien. Ça, ça va aider. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'ennemis, tu vois. Point de contrôle. Ouais, bon. Ok, hein. Difficile d'être silencieux hein, dans cet environnement. Oula. Un train? Ouah, comment il peut y avoir un train qui passe alors que c'est déserté quoi. Je m'en doutais qu'il allait m'attendre quelque part, celui. J'ai pas tiré une balle quand même. C'est bien ça. C'est toi ça? Ah ouais, c'est toi. J'ai cru que tu t'étais fait repérer. Pas trop eu droit devant. Faut accélérer le mouvement. On va devoir les tuer. À toi de jouer. Maintenant. Il en vient d'autres. Secoue-toi. Oh la vache. What? Y'a un chien? Oh putain.
T'es pas mort encore. Melon. Oh merde. Oh ça va. Donc là il y a un dossier aussi. Moi je ferai une vidéo hein, comme je l'ai dit sur les dossiers. Oh, oh non. Le mec il est tout seul, il me dénonce. Quel dommage. Oula, je suis où là? Ah oui, j'étais mort là. La grenade. What? Il est pas encore mort l'autre là, mais... Voilà. Oh. Voilà. Toi t'es... D'accord, ok. Ah bah non, mais t'es gentil, je suis con. Voilà, toi t'es mort. Oh, grenade. Allez, en gris, c'est bon, gris. Je l'ai pas vu lui. Oh putain. Mais lol, il passe à côté de moi le mec, il est avec moi, il le tue pas. C'est ça le vétéran, c'est ça la joie du vétéran. Ah là là. Bon, il lance une grenade. Il est où encore lui là? Ah j'ai plus de balles putain. Oh oh. Je l'ai castagné le pot. La K12, point rouge. Bon bah c'est méga. On est au point de contrôle de Bay Street. Il y a des types du KVA partout. Permission d'attaquer. On est presque arrivé. Oh là 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 là. Ouais, une marque, c'est bien. D'accord. C'est bon, ils sont morts là. On peut recharger. C'est bien ça de recharger. T'as peur de quoi? Il n'y a plus personne. Voilà, tiens, mange. Ah, lui aussi il me fait manger. Rouge tomate, hein.
Bon, je pense que je l'ai eu là, quand même. Je vais pas mettre 18 balles. Hein. Enfin, je l'ai jamais 18 balles, je suis sûr. Non, je l'ai même pas eu. Oh la vache. Ok. C'est où l'overdrive déjà? Ah ouais. C'est vachement pratique hein, l'overdrive. Bah moi j'arrive pas à m'en servir de cet overdrive. Je suis très mauvais avec l'overdrive. Je pense que c'est un bon coup de main à avoir et je l'ai pas encore. Oh la vache! Elles me font déguster quand même. Tiens, toi t'existes plus. Toi non plus. Ensuite, ça arrive d'en haut. Oh putain, espèce de mongolien. Bon, faut savoir qu'on les tue très rapidement. Moi, je vis que la moitié d'un chargeur, mais il meurt quand même assez vite. C'est juste que j'aime bien tirer des balles, je crois. Non, j'utiliserai pas mon overdrive. Ah bah peut-être en fait, que si. Ça ralentit sans être trop ralenti, c'est quand même bien dosé, même si je ne le gère pas, c'est assez bien dosé, c'est sympa. Oh, ce nez me gratte, ça me gratte là, juste le bout, oui, le bout de... je le sens pas son corps. Les voilà, allons-y. Oh. Oula. Ouf. Oh, le changement de couleur, faut pas être, je sais plus comment on dit, épileptique. Je crois qu'on a trop de changement de couleur et que ça nous rend. Ah ouais, oh, il est violent. Ok. Ok. Les infos sur le docteur, d'après les traceurs biométriques. Je sens que ça va être assez dur à gérer. En route, on n'a aucune couverture dans cette rue, chef. Le camion! Il nous servira de couverture. Ça va être dur à gérer quand même. Je pense que c'est sniper pour ce jeu. Allez. Joker, couvre-nous. Tu parles d'une couverture, faut faire tout le taf soi-même. Saute de ma gueule ou quoi? Oh putain. Mais... Vous avez vu comme moi, vous avez bien vu comme moi. Il est passé devant moi, j'ai pas pu courir. Il nous servira de couverture. Bon, du coup, je vais peut-être pas. Voilà, je vais plutôt prendre ça. Hôpital à 100 mètres. Allez. Joker, couvre-nous. Ah, je me fais fumer, quoi, lol. Ils nous couvrent que dalle les mecs, ils sont sérieux là. Faire tout le boulot soi-même quoi. Aïe 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 aïe. Chercher même pas de wifi. Objectif atteint. C'est bien, ça avance. Bon.
On va faire ça. Je crois que ça va nous aider un peu. Ah, faut arrêter de lire. Il y a des tirs de partout, on voit personne. Ça chaud là, ça, c'est vraiment dur. Hein. Point de contrôle, ça c'est bien. Point de contrôle, ça c'est bien. Allez, 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 allez. Oui. Oh, oui, oui. Je me demande à quoi il me sert le mec quand même qui est à côté de moi. Pas grand chose en tout cas. Hein. Sert vraiment à rien. Et est-ce que là on les voit ou on voit toujours? Ah non, on voit toujours personne. Oh oh. Non, ça servait à rien. Ouf. Oh, renvoie. Mais je suis nul. Oh là là. Bon, bah ça va faire juste là. Je sais pas combien de morts que je vais me manger. Allez, on va y aller. Je sais pas jusqu'où il faut que j'aille. Oh putain. Ils servent à quoi eux, là aussi? Franchement, ils servent pas à grand chose. Hein. Non, attends. C'est juste trois mecs qui nous ont canardés comme ça. Je les voyais même pas. Ah là là, ça c'est dommage. Ça franchement, c'est dommage. Ah, ils sont chimiques ou quoi? Ah non, c'est des lampes. À l'étage, angle nord. Il nous le faut vivant. Par contre, un truc bien, il n'y a plus l'espèce de glissade comme dans Ghost quand on s'accroupit et qu'on court. Ça, c'est bien. C'est vraiment pratique. Et le temps d'accroupissement, oui. Ça va être correct. Enfin, pour s'allonger, c'est assez correct. Grenade flash. Oh, il m'a eu, lui. Merde. Regardez pas du bon côté. Eh, j'ai chaud. Ok, lui juste à côté, personne ne tire dessus, il dit rien. Il y en a un là-bas ou quoi? Il y en avait un là-bas. Il y en a un derrière. Non mais lol. Eh, ils foutent vraiment rien en vétéran par contre nos alliés, c'est dommage. Regarde ça, il est derrière nous. Ah, faut arrêter hein. Prochaine fois, tu feras pas ça comme ça. Voilà. On y est. Mitchell, occupe-toi de la porte. Oui. Ah non, pas comme ça. Non, ça sent le ralenti, ça. Et ensuite. Ensuite, je peux pas encore tirer. Ah voilà.
Vous avez vu Hadès récemment? Je dirai rien. Ouais, ils disent tout ça. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à crier. Ça, ça fait mal. Vous croyez que ça change quelque chose? Vous n'avez pas idée de quoi il est capable. On est tous morts. On est morts. Morts. Pas encore. Allez, on l'emmène. Avec plaisir. Mitchell, avec moi. C'est son arme qui bug derrière lui. On l'emmène comment? D'accord. Alors j'aime pas trop franchement ce viseur thermique, c'est assez bizarre. Enfin, surtout ça, la manière de viser. Et j'entendais aussi que comme quoi que le viseur était beaucoup plus dur à se mettre en mode zoom comme ça. Je trouve que le temps est relativement correct hein, quand même. Ça, enfin, c'est pas hyper rapide, c'est pas hyper lent non plus. Hein. What? Ah, ils sont invisibles, c'est nos copains ça ou c'est pas nos copains? Par contre, je crois que Gideon elle est là. Mais... Ah non, ça va. Force d'intervention en approche, on vient vous couvrir. Embarquez le docteur. Et dépêchez-vous de filer. J'aime bien savoir qui me couvre. C'est confidentiel. On est censé les laisser faire? On n'a pas vraiment le choix. Allez, go, 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 go. C'était quoi, bouge. Aucune idée. À l'attaque. Utilisez. Sur les motos. Vite. Ah là, ça va pas être du pilote automatique. Là. Ah, je me fais tirer dessus. What? On s'en sert comment? Oh putain, le bordel. D'accord, c'est le joystick. Oh, je change de prendre grave cher. Je suis à fond là, 86. C'est pas beaucoup ça. Ah oui, mais c'est pas des kilomètres heure, donc c'est beaucoup. Ça fait 120 km heure si j'ai pas plein de gris, 84 miles. Ouais, ça doit être ça, 120, je pense, 120. Hein? Ok. Ok. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé, mais c'est pas grave. Je me suis mangé je sais pas quoi dans le coin, là. Et je suis mort. Lol. Aïe. Oh là là. Ok, j'ai quand même atterri sur le camion. Mais ce qui est pas bien, c'est qu'on peut même pas se défendre. Oh là là. Oh, je suis mauvais. Hein. Oh là là. Ça, c'est de la défense. Hein. En fait, la cible est sécurisée. Je l'emmène pour interrogatoire. Terminé. Motor City. Alors, amélioration. Qu'est-ce que je vais améliorer avec deux points? Je crois que je vais améliorer le tressaillement quand on se fait tirer dessus, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Voilà. Et... la visée rapide. En même temps, j'ai regardé c'est quoi le succès que j'ai eu. Dépenser 10 points d'exo amélioration. Bon, c'est un succès assez facile à avoir, je ne ferai pas de vidéo dessus.
Faut juste dépenser donc 10 points sur son exosquelette. Et bien voilà les amis, c'est fini pour cet épisode 5 sur Advanced Warfare. On se retrouve dans un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, bye.